Shalom, shalom. Tu es béni ce matin, toi qui m'écoutes. Tu es favorisé par Dieu ce matin. Il t'a donné la vie et il te favorise aujourd'hui. Sache que en cette journée, tu vas gagner. C'est ce que Dieu a prévu pour toi, de gagner, de remporter toutes les victoires. Que Dieu te bénisse. Vous savez, je l'ai toujours dit et je le répète une fois de plus et mille et une fois. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle et la Bible nous le montre. La Bible nous atteste que la vie est spirituelle. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un fait bien sa semence, quelqu'un fait bien son champ, mais au milieu de la nuit, son adversaire vient pour planter la mauvaise semence dans son champ? C'est ce qui arrive lorsque nous dormons parfois. C'est ce qui arrive lorsque nous dormons parfois. Bien-aimé, il faut te réveiller avec l'esprit de victoire. Il faut te réveiller avec l'esprit d'un combattant, celui qui remporte les victoires. C'est la raison pour laquelle tu pries. C'est la raison pour laquelle tu te connectes à ces moments de prière. Que Dieu te bénisse. Alors je viens annuler. Je viens déraciner toute mauvaise semence qu'on a eu à semer dans ta vie, que cette semence soit déracinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens enlever tout poison, toute nourriture nocturne qu'on a eu à te donner. En journée, on t'a donné quelque chose alors que cela symbolisait autre chose. Je neutralise la puissance de ces nourritures au nom de Jésus-Christ. Je neutralise la puissance de ces nourritures au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer en cette journée que rien ne va t'empêcher de faire ce que Dieu a prévu pour toi. En cette journée, ce que tu as semé hier, tu vas récolter cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu as semé hier, tu vas récolter cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que les ennemis de ta destinée soient confus au nom puissant de Jésus. Tu vas réussir au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas réussir, que tu sois orphelin, que tu sois orpheline, que tu n'aies le secours de personne, tu réussiras au nom puissant de Jésus-Christ. Tu réussiras au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je viens déclarer que ton ciel soit ouvert, que le ciel de ta vie soit ouvert et que toutes les faveurs soient déversées dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton étoile ne soit pas étouffée. Que ton étoile ne soit plus étouffée. Au nom puissant de Jésus, toute puissance, forteresse, toute chose qui avait pour intention d'étouffer ton étoile, que cela libère ta vie au nom de Jésus, libère ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je te vois prospérer. Je te vois remporter les victoires. Je te vois remporter les victoires. Je te vois élevé au nom puissant de Jésus. Je vois le pronostic de ta vie changer. Je vois des choses merveilleuses pour toi. Et tu réussiras. Cette maladie ne va pas te remporter. Cette maladie ne va pas te tuer au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie avec pour source le monde des ténèbres, que ces maladies disparaissent au nom de Jésus. Que ces maladies disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Et sois libre. Je déclare maintenant que ce bras soit libre de faire le mouvement. Que ce bras soit libre de faire le mouvement. Que ce pied, le pied, cette jambe qui te dérangeait, soit maintenant libre de marcher au nom puissant de Jésus. Que la force du Saint-Esprit renforce tes membres au nom de Jésus. Renforce tout ton être. Renforce, change, modifie. Modifie et remplace tout ce qui était anomalie en toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce cœur soit changé, que ces poumons soient changés au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à toute fièvre de libérer ton corps. Je te vois prospérer. Je te vois t'imposer dans ton environnement. Je te vois comment tu es en train d'imposer le don que Dieu t'a donné avec grâce et faveur au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Merci de t'abonner. Merci de partager cette vidéo. Et Dieu te bénira. Merci surtout de laisser des j'aime. Lorsque plus tu aimes, plus l'algorithme de Facebook montre qu'il y a des personnes qui sont intéressées et ça évangélise pour nous. Que Dieu te bénisse. Tu es tellement béni.